Salut tout le monde, c'est BibiFlox, comment vous allez? Écoutez-moi, ça va pas mal. On se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu qui est Empyrion. Donc vous avez été plusieurs à m'en parler. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu, on va dire, le concurrent de Space Engineer, à ce que j'en ai entendu. Donc j'ai jamais lancé, je viens de l'acheter, là je viens de finir de le télécharger. Donc je pense qu'on va le découvrir tous ensemble. Donc ceux qui s'attendent à un tuto, etc., laissez tomber. Alors attendez, déjà je peux pas mettre mettre lui. Voilà. Donc ceux qui s'attendent à un tuto, laissez tomber, c'est vraiment une vidéo découverte. Je voulais un peu vous donner mes impressions sur ce jeu. Et voir si donc il a une chance de concurrencer Space Engineer ou pas. On va bien voir. Donc game. On va faire test. Hop, game mode survival créatif, ok, seed. Yes. M'apporter la poisse. Ok, donc déjà on peut commencer sur deux petites planètes. Bah écoute, je commence sur celle-là. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je sais pas du tout jouer, j'ai regardé aucun tutoriel sur le web. C'est juste une vidéo découverte. Que je vous propose ici maintenant là tout de suite. Attendez, je règle. Là, je règle mon chrono. Voilà. Ok, ça commence à gueuler. Bah, il y a une tour. Bon. Graphiquement, c'est absolument rien à voir. Alors, comment ça marche ton truc? Bon. J'ai réglé un petit peu les touches là. Par contre, je sais pas du tout comment on fait pour voler. Oh, la tête qu'il a! alors, P. Pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Ok, d'accord. Bon, ok. Ok, d'accord. Donc il est allumé, mais vu qu'il y a pas de fuel, il peut pas rouler, en gros. Silicium, iron. Bon, alors on peut se balader. Alors par contre, je sais pas du tout. Ce qu'il faut pour que le vaisseau marche. Attends, enlève ton arme garçon, tu me fais un peu stresser hein. Bon, je vais pas m'avancer trop rapidement. Hop, donc les touches je les ai mis un peu comme space, donc comme ça j'ai l'air un petit peu moins dépaysé. Bon, en tout cas, point positif déjà. Eh bien. Point positif, c'est bah, quand on a déjà les planètes, ça c'est déjà quand même quelque chose d'énorme. Ah là-bas, il y a une belle tour. Putain, il y a plein de monstres, c'est un truc de ouf. Prométhium. Bon, je pense qu'on va aller là-bas. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que ça servira déjà un peu mieux que le colbat pour commencer. C'est ça qui fait le bruit du cœur. Ah, j'ai super peur. Ok, j'ai dû verrouiller la touche pour. Oh le con. Ah non, c'est que la stamina elle est à zéro. D'accord, je peux plus courir parce que ma stamina est à zéro. Ok, super. Bon, on va prendre un peu jackpot.
Je sens que je vais crever avant d'arriver là-bas. Alors comment il se régène en stamina? Je pense que si je me repose, ça devrait remonter. Ça, c'est pas mal déjà ce petit système. Je suis à 20 mètres, j'ai fait un sacré trou. Ah voilà, j'en ai. Ça va être le truc bleu. C'est ça, c'est le truc bleu. Pas à quoi ça sert. Bon voilà, écoutez, on va ressortir avant que le truc con. Ah, mais dis pas que je suis déjà bloqué. J'ai de merde. Ah, attendez, on va bien sortir. Non, vous êtes sérieux, on a passé pour sortir. Voilà. Je pense que là, on a assez. Ah, oh, mais c'est quoi ça? Ok, voilà. Bon. Bon, pour l'instant, ok. Bon, on va retourner au vaisseau, voir si ça suffit. En fait, c'est de la déco. Ok. Vais surveiller ma stamina. Ah ouais, une fois qu'il commence à descendre, elle descend violente. Nanana. Bon, graphiquement, ça a rien à voir Space. Space gagne déjà un point sur l'esthétique. Après gameplay, bon, il gagne Empyrean gagne un point parce qu'il y a les planètes et les monstres. Donc ça, c'est déjà quand même énorme. Ça me fait un peu un avant-goût de Space. Après, faut pas tout que je confonde non plus. C'est que Space, je sais très bien y jouer. Empyrean, je sais pas du tout jouer. Je sais pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a un oxygène. Ferme la bouche, garçon. Il est marrant, lui. Tiens, il met à peine la tête dans l'eau. Il peut plus respirer. Oui, connard, c'est de l'eau. Hop.
Ta 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 ta. Ça fait déjà 10 minutes que vous êtes avec moi et bah. Moi je nique tout, moi je suis en ouf. Ah mais il y a déjà des trucs là. Oxygen bottle, portable work light, fuel pack. Bon, il a remis son casque, ok. Comment ça marche cette merde? Ah, il y a plein de trucs là. Ah ouais, quand même pas mal de... Donc de l'eau. Il y a quand même pas mal de trucs. Tomates. Ah putain, il y a de la bouffe. Oh. Wow. Ok, bon, je pense que un tuto serait pas mal. Puis constructeur. Ah ouais, un tuto serait pas mal. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Ok, game, ça va être bon, ok. Blueprint, non, comment quitte ton genou? Ok. Tutoriel. Ok, là, ça vous balance directement sur... Bon, écoutez, on va regarder tout ça ensemble. De toute façon, vous êtes là, vous avez rien à foutre. Quoique je vais un petit peu couper et je vous reprends tout de suite après. Ok, alors, tout le monde, donc j'ai regardé 2-3 petits tutos et j'ai enfin compris d'où avait mon problème. Donc en fait, tout simplement c'est qu'il faut charger la mule au vaisseau. C'est pas comme Space Engineer en fait, où tous... on s'en peut laisser, où tous se partagent. Là rien se partage et il faut tout charger nous-mêmes. Donc... Hop, donc là on a le conteneur, donc pour mettre l'énergie, pour allumer le vaisseau. Alors attendez, donc là c'est un peu un assembleur, donc on va... Hop. Donc en fait, je vais vous expliquer vite fait pour ceux qui veulent à peu près comprendre. Donc le vaisseau, on n'y accède que de l'extérieur. Donc là en fait on a vu qu'on avait deux petits conteneurs. Donc il y a deux petits conteneurs de chaque côté. Quand on commence, donc le vaisseau n'est pas opérationnel. Apparemment, en fait, l'histoire, c'est qu'on s'est planté avec ce vaisseau, on s'est crashé sur la Terre. Moi, il m'a l'air fonctionnel quand même. Donc je sais pas si on peut pas le bouger. Bon, bref. Une fois qu'on a tout pris, il faut allumer le vaisseau. Donc là, c'est un générateur, un réacteur. Donc faut mettre du fuel pack dedans pour qu'il s'allume. Donc on va y arriver. Ça, on a le constructeur. Donc c'est un peu l'assembleur. On met les ressources dedans et après, on peut construire ce qu'on veut. Donc là je vais commencer à construire du fuel pack, des plaques de métal et après et donc starter. Donc après j'aimerais créer des petits blocs comme ça, voilà. Hop, donc après on va créer ça pour commencer un peu à construire notre station. Ensuite, l'autre côté, donc ça, on a notre générateur d'oxygène. Donc moi, je pense pas que j'en ai besoin vu qu'il y en a de l'oxygène. Ouais, c'est beau. On a de l'oxygène sur la planète, je pense, il me semble. Enfin, je sais pas. Enfin, dans le doute, on va quand même en recharger. Donc, hop, c'est là qu'on va mettre l'oxygène bottle. Et quand on se colle là, normalement, ça nous régène. Bon, quand le vaisseau est allumé, bien sûr.
Ok, allez, hop, on va allumer, donc on va lui claquer. Ah, ok, on peut pas tout mettre d'un coup. Donc on va lui claquer les fuel packs là. Hop, et voilà. Donc le vaisseau est en construction. Donc ok, le vaisseau peut juste avancer, mais il peut pas bouger donc. Bah écoutez, je vais faire ma base là-bas sur l'île. Et quand ce vaisseau sera fonctionnel, et bah on va l'amener sur l'île. Donc alors, attendez. Ça, je sais pas du tout ce quoi ça semble. Ça c'est pour créer de l'oxygène. Ça c'est pour créer un vaisseau. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin. Ça on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Bon voilà, j'ai pris des balles. Hop. Donc on va poser ça. Donc c'est pour un petit peu éclairer. Donc je vais le mettre à côté du vaisseau comme ça moi. Ouais, bon, c'est clair Chi. Bon, c'est clair un peu. Voilà, c'est juste pour voir que le vaisseau est là. Ok, j'ai rechargé le truc. Non, c'est donc, ouais, j'ai fini ma phrase parce que je vais pas y arriver, là, je suis tellement au fond. Donc c'est pour, voilà, si je pars sur l'île, c'est pour montrer que le vaisseau est bien là. Bon, normalement, je dois avoir un petit point. Mais bon, on sait jamais, donc. Hop, hop. Je vais en profiter pour aller chercher de l'iron. Wow, qui est quand même bien profond. C'est pas grave, de toute façon l'iron, j'ai vu qu'il en fallait pas mal au début pour construire la station. Ok, bah écoutez, on est parti. Par contre, je vais pas me faire avoir, genre faire une descente doucement. Ouais, 7 mètres encore. Et merde. Hop, je vais commencer à creuser un peu là aussi. Voilà, c'est pour pouvoir sauter directement dedans quand je remonte. Ah, commence à voir l'iron. Ok. Bon, je commence déjà à voir du fer là, donc c'est cool. Écoutez, on va prendre le fer pendant que la nuit passe. Et on va commencer le début de la station. Avant de finir au moins cet épisode, qu'on fasse au moins quelque chose de... pendant cette petite découverte quoi, qu'on avance un petit peu. Écoutez, pour l'instant honnêtement, moi j'aime bien, je trouve que ça change un peu être sur une planète etc, c'est assez sympa. C'est pas aussi comment dire que j'ai oublié le mot. Space Engineer, c'est quand on rentre dans le jeu là. Bon bref, vous devez voir. La merde, hein, je vais retrouver ce mot. Faut être con quand même. C'est pas aussi... Oh, puis merde. Ouais, donc en fait c'est... Bon, je savais me retrouver, mais c'est un truc de fou. J'ai perdu mon mot là. Puis là, vous êtes derrière votre compte en train de dire, eh, mais c'est ça. Oui, donc en fait on rentre beaucoup moins dans le jeu. C'est ce qui est dommage. Voilà, ce qui est dommage pour moi. Après, j'avoue que c'est assez sympa quand même, voir les étoiles et tout, c'est chouette. Par contre, je vois pas d'autres planètes. Mais je pense que quand on a passé pas mal de temps sur cette planète et qu'on commence à décoller, qu'on va dans l'espace, ça doit nous faire quelque chose quand même. Mais bon. C'est vrai que Space, vu qu'on commence dans l'espace, etc.,
Bah, enfin, on va attendre que les planètes arrivent sur Space et puis on pourra comparer. Mais pour l'instant, moi, je trouve que le jeu fait plus référence à StarMed, donc le fait des couleurs des blocs, etc., la texture. Hop, la texture, comment fonctionnent les vaisseaux. Moi, je trouve que c'est vraiment un concurrent à StarMed et non à Space Engineer. Parce que je pense que ça vise pas pareil, quoi. Les jeux ne visent pas pareil. Enfin bon, après, c'est mon avis. Hop. Donc attendez, hop, donc attendez, je vais poser le... Est-ce que je peux aller dans l'eau sans mourir? Ouais. Bon, bah écoutez, je vais aller en face quand même. Je vais juste attendre... Juste attendre qu'ils construisent un petit peu mon truc là. Ouais, j'ai peut-être pas autant... Comment on annule? Bon, j'arrive pas à annuler. Bon, moi c'est pas grave, écoutez. Tant pis. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Attendez, si je coupe... Ah ok, faut que je coupe... Ok, faut que je coupe le machin pour rien enlever. Ok, bon, j'ai une petite sécurité. Hop, bon, écoutez, on va commencer à créer la station. Là, je vais juste remettre... Les fuel... Voilà. Je vais remettre 2-3, quoi. Hop, hop, hop. Donc en fait, c'est grâce à ça, hein, qu'on produit de l'oxygène. Enfin de l'essence, pardon, donc hop. Ah, attends, il est déjà au ramp. Bon, attends. Allez, on va attendre les rampes. Le mec relou. Voilà. Allez, hop, on est parti. Je vais sur mon île. Le jetpack marche dans l'eau par contre. Pourquoi pas. Voilà, donc une fois que je suis là, normalement, on fait échappe et là, on a... Ah, la map. Ah, j'ai toute la carte. Nice. Ah, j'ai la planète. Elle est immense. Elle est immense. Elle est vraiment immense. Bon, ok. Et ben normalement c'est là qu'on crée un truc. Mais là c'est la merde. Alors attendez. Merde, comment c'est? Alors sur le tuto que j'ai vu, le mec faisait échappe. Et là, il avait le menu d'afficher pour créer un petit vaisseau, un grand vaisseau, etc. Mais moi, vu que... On va regarder si final contrôle. Est-ce que c'est la Space Engineer? Contrôle panel, créative, menu C. Ok. Pas mal. Contrôle panel B. Helmet U. Ah. Mais écoutez, si c'est passé, je sais pas du tout comment faire là. Ceux qui ont le jeu, je vous laisse. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et ceux qui ont le jeu. Hop, est-ce que je meurs si j'enlève mon casque? Non, donc j'ai bien de l'oxygène.
Donc c'est espacé, U c'est pour mettre le casque. Eh bien écoutez, ceux qui ont le jeu, je vous laisse marquer en commentaire comment construire la station. Et je l'attaquerai directement après que j'ai une réponse. En attendant, j'espère que cette petite découverte de jeu... Ah c'est là, il y a une planète. Pour ceux qui voulaient voir un peu le jeu, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Ça change un peu de Space Engineer. Pour l'instant, j'accroche plutôt pas mal, même si j'ai toujours un penchant sur Space. Mais bon, j'attends de finaliser un peu le jeu. Putain, il y a une planète. Wow, il y a une planète en lave là-bas. J'espère qu'elle va pas se creuser sur ma tronche. Enfin voilà, écoutez, tu as des coconards. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, et puis j'attends vos commentaires. Tchou tchou tout le monde.